Je suis David Prognier, je m'occupe pour Motion Computing de l'Europe du Sud et nous sommes fabricants de matériel informatique nomade, notamment des tablettes PC. Alors sur ce salon, nous sommes aujourd'hui en train de présenter nos nouvelles gammes de tablettes PC, donc des ordinateurs portables fonctionnant sous Windows, dont l'objectif est de pouvoir équiper donc des techniciens de maintenance, des forces sur le terrain, des commerciaux, dans des environnements difficiles et contraignants pour qu'ils puissent accéder à leurs données quand ils en ont besoin. Sur ces tablettes qu'on appelle PC, qui sont des ordinateurs portables, qu'on a un peu reconditionnés, on peut les voir comme ça, c'est vraiment des produits qui sont faits pour le terrain. Clairement, la notion, c'est d'être un véhicule d'information. C'est pour de la capture d'informations, de la collecte de données et le partage d'informations en temps réel. Donc on va vraiment être capable d'héberger toutes les applications Windows du marché possible dessus. On va être capable de faire une interaction soit au doigt, soit au stylet. Alors le doigt, généralement, va nous permettre de faire de la consultation d'informations. Le stylet va nous permettre d'enrichir des formulaires, de faire de l'encre numérique ou de la signature client. C'est la deuxième édition. On était déjà présent sur la première édition. On estime que ce salon, aujourd'hui, reflète le mieux les trois pilier que représente notre offre, c'est-à-dire vertical, métier et solution. En fait, on retrouve quelque part tous les acteurs de la profession, on est capable d'échanger aussi entre nous. La qualité du visitorat est très forte, avec des projets qui sont maintenant de plus en plus intéressants, mais surtout de plus en plus, on va dire, bien énoncés. Motion Computing aujourd'hui, en effet, se doit d'être sur Mobility for Business. C'est clairement pour nous la meilleure vitrine pour l'exposition de nos produits, de nos solutions. C'est un carrefour incontournable de toute façon pour tous les acteurs de la mobilité. Et honnêtement, je pense qu'on sera présent également l'année prochaine sur ce salon.